Bonjour à tous et à toutes pour cette deuxième édition donc de Star Trek Le Journal Interstellaire. Alors, on va commencer par vérifier donc si vous m'entendez bien. Donc, je vais juste dire dans le micro si vous m'entendez, par refaire la même chose, puis que je vais refaire mon layout de 5 minutes avant qu'on me dise qu'on m'entend pas. Oui, prenons le temps de voir qu'on peut entendre tout le monde, hein. Donc, avant de commencer, on va juste faire le petit choc. Check technique, donc le son est très faible, alors je peux pas l'augmenter de mon côté. Juste d'Orion ou de nous deux en général? Donc après, faut voir, moi je peux booster mon micro un peu, mais Mmh. pas beaucoup. Donc après, bon, faut monter évidemment le son de votre côté, mais bon, ben voilà, quoi, c'est logique. J'ose espérer que vous feriez pas la remarque si vous avez pas déjà monté de votre côté. Chronos parfait, ouais, ça je sais. Parfait. C'est Donc, naturel. du coup, je vais booster le micro un peu, puis on verra bien. Orion inaudible. Ah bon, clair, net et précis. Alors, est-ce que là, ça va mieux? Les chats sur la table à côté de la pizza. Et oui. Voilà. Aujourd'hui, il faut deviner lequel est à qui. Alors, juste voir du coup si vous m'entendez mieux maintenant ou pas. Ah. Ouais, parfait. On t'entend mieux, mais moi j'ai un écho. C'est fourbe. Ah, ça va, il est léger. Bah tant mieux. Ok, alors. Tiens, d'ailleurs, vous voyez le jeu ou vous voyez le titre Sur le toujours? stream, on voit le jeu, on voit le jeu. Ok, donc c'est juste le mien qui n'est pas mis à jour, ce qui est très étonnant, mais bon, pourquoi pas. Alors, du coup, Moins que Chronos, mais audible. Bah, ça va. C'est ma donc c'est voix qui porte audible. de trop. J'essaierai de booster Mais ça, bon. du coup, encore une fois pour la prochaine fois. Ou légèrement Ouf! rapprocher le Je micro. sais que ça. Ça, c'est moi qui ai déplacé mon micro. Ah, j'ai eu peur, tu dis. Alors, du coup, lors de cette édition, du coup, nous verrons différentes choses. Donc, nous verrons évidemment. Donc, on a eu les phoenix le mois passé, donc on fera un petit retour là-dessus. Et surtout, je vous prouverai par calcul que les phoenix ne sont pas des arnaques. Attention, contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord. Nous parlerons aussi évidemment de STLV. Durant lequel il y a eu l'annonce de la saison 14 et un petit leak bien caché de Oh, on voit un bien caché, ouais c'était grossier et fourbe de leur part. bien caché dans le sens où c'est que dans la version originale, dans la version française il n'y a pas. Ouais, c'est ça le pire. Donc j'ai quand même remarqué lorsque on en a fait mention sur le forum que certaines personnes n'étaient pas au courant. Ouais. Mais à propos du coup C'est vrai. de l'extension 2018. Donc, nous aurons la petite partie spéculative autour du petit leak qui a été fait par Cryptic là-dessus. Nous aurons évidemment un passage très rapide sur l'event de Sumpec, parce que bon, on ne peut pas ne pas parler de l'event qui est actuellement en cours. Et du coup, c'est en petite partie leak, un peu. Leak spéculation plus générale sur ce qui peut arriver dans la 14.5, dans la 15, 15.5, dans l'événement d'ici en fait l'extension de l'année prochaine, où on aura un petit peu, il y a quelques leaks qui ont été publiés, plus ou moins sérieux, quelques petits trucs, mais on verra ça en temps et en heure. Donc on va déjà commencer donc par des Phoenix, tout simplement. Donc, les Phoenix. Donc, disponible le mois passé durant période limitée. Donc, c'est une box qu'on ouvre, on obtient un token. Donc, là, vous voyez s'afficher à l'écran les trois tokens que j'ai eu la chance de looter. Donc, les peu communs, les rares, les très rares. Il y a encore des ultra rares et des épiques qui, eux, donnent accès à des vaisseaux. Donc, les ultra rares donnent accès au tier 5 et les épiques au tier 6. Puis en gros, c'est les vaisseaux d'event
qui ne sont plus, ben, plus accessibles maintenant dans le jeu. Donc on retrouve les vaisseaux Hysiens, les vaisseaux Borg, on retrouve les, ben, le Nandi, on retrouve le Stamsar, etc., etc. Enfin, vous avez compris le principe. Donc, maintenant, ben, les taux de loot sont relativement faibles. Hein, donc là, vous voyez ce qui me reste actuellement en stock, non échangé, etc. J'ai ouvert. Merci à ti pour ce coup de blues. Ah mais moi sur un autre compte j'en ai eu un d'ultra rare. Je peux te montrer le beau vaisseau que j'ai eu avec. Bienvenue Kalagan. Donc, Salutations, oui, en très effet. volontiers si tu pourras me transmettre les screens lorsqu'on en reparlera dans 5-6 éditions, lorsque ce sera revenu. Mais voilà. Va falloir l'intégrer en tant que fournisseur de screen officiel. Oui, je pense. Donc, mais maintenant, je vous dis que je vais vous prouver que ce n'est pas une arnaque. Pourquoi? C'est très simple. Avec les Phoenix, on peut obtenir ceci. Qu'est-ce que ceci? Eh bien, c'est un token upgrade. Et si on va voir un peu plus près les spécifications de ce token upgrade, on peut voir qu'il donne 51 200 points de technologie. Alors, 51 200 points de technologie, ok, c'est l'équivalent de 4 supérieurs upgrades. Bien. Jusque-là, on a investi 4 500 d'hélium si on achète la box à l'unité ou 4 000 si on les achète par 10 pour 51 200 points de technologie. Maintenant, un supérieur en donne 12 800. Ne coûte aucun d'hélium à l'achat, mais on coûte à l'exécution. Lorsqu'on va le prendre pour upgrader son item, on va devoir payer 1 075 d'hélium. Donc maintenant, si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit juste avant, il faut 4 supérieurs pour faire un phoenix. Or, si on fait 1 075 fois 4, on obtient 4 300 d'hélium. Donc, résultat, si on acquiert les Phoenix Universal grâce à des box achetés à l'unité, on est perdant. Par contre, si on les achète par 10, on est gagnant. Et là, on ne parle que si on loot que des pas communs. Ce que ouais, j'ai oublié de préciser, mais les Phoenix Universal Tech Upgrade s'obtiennent avec les tokens peu communs. Mais ça veut dire que Heureusement. si, par hasard, vous lootez un rare, vous obtenez pas un Tech Upgrade, vous en obtenez deux. Et si vous obtenez un très rare, vous en obtenez quatre. Donc, au final, pour quelqu'un qui fait beaucoup d'upgrades, il a tout intérêt à investir dans les Phoenix. Parce qu'au final, il va dépenser beaucoup moins de dilithium avec les taux de loot, enfin, que je peux vous remontrer ici. Où on peut quand même voir que sur les joueurs, environ 300 bucks, sur les 300, j'ai obtenu une cinquantaine de très rares, parce que j'en ai évidemment déjà dépensé certains pour la réanimateur, essentiellement. Quelques rares, où là, bon, je n'en ai pas dépensé beaucoup, donc c'est plus ou moins ce que j'ai looté. Elle reste moi, de peu commun, où là, moi, j'ai déjà, évidemment, utilisé cette technique pour développer toutes mes configs, quoi. Mais du coup, on peut voir que pour quelqu'un qui fait de l'upgrade, c'est intéressant. Après, pour quelqu'un qui chercherait le vaisseau, Ah là, c'est bon, foutu. ben, c'est malheureusement pour la plupart des vaisseaux le seul moyen d'obtenir le vaisseau, si on l'a pas déjà. Donc, bon, ben, je ne peux lui dire que bonne chance. Et pour ceux qui ouvriraient pour ouvrir en espérant trouver des choses intéressantes, la plupart du temps, là par contre, effectivement, ce sera pas intéressant. Bon, après, tout dépend. Si vous cherchez des émotes, etc. En gros, il y a quand même quelques petits items intéressants pour certaines configs, etc. à l'intérieur. Donc, voilà. Si vous voulez faire des upgrades, allez-y les yeux fermés. Au pire, vous obtenez des vaisseaux, parce que c'est toujours sympa. Au pire, au pire. Ouvrez-les sur une passerelle, j'ai l'impression que ça ouvre, ça augmente les chances. Faudra que je vérifie la prochaine fois, mais après 3 box, j'ai réussi à avoir un ultra rare sur une passerelle.
Effectivement, voilà ce que je peux déjà vous dire comme ressenti, c'est entre Ground et Space, le Space c'est beaucoup plus intéressant. Après, j'ai pas testé les passerelles parce que Cronos m'a transmis ça qu'après que j'ai déjà ouvert mes 150 du dernier event. Donc, j'ai pas Ma non faute. plus des moyens illimités pour en rouvrir 150 pour vérifier cela. Mais du coup, on vérifiera ça la prochaine fois. Et du coup, la prochaine fois qu'il y aura l'event, dans le prochain journal interstellaire, vous aurez la réponse de mon ressenti. On ne pourra pas le prouver scientifiquement parlant, évidemment, vu que c'est aléatoire, de si c'est mieux d'ouvrir sur une passerelle ou pas. Mais actuellement, déjà, toutes les mails, je les ouvre dans l'espace parce que j'ai déjà un ressenti plus grand par rapport à l'ESD classique. Bien. C'est vrai. Donc, sur ce, moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur les phoenix. Je sais pas si t'as vite quelque chose à rajouter ou pas. Kronos. Bon, personnellement, je trouve qu'il y a quand même quelques items qui peuvent être intéressants, notamment, allez, la carte amirauté qui est très très intéressante, mais c'est vrai après que si on n'est pas parti pour augmenter notre stuff avec les tech upgrades, c'est peut-être pas le plus intéressant. Ça devient vite un gaspillage de tilithium. Donc voilà, je suis pas quelqu'un de très intéressé par les phénix, hein. Personnellement, j'ouvre celles que j'ai chaque jour, mais c'est à peu près tout. Ouais, très bien. Donc, à présent, Kronos, ça va être à toi de jouer parce que nous allons parler de STLV et la partie pour le moment saison 14. Donc, je te laisse commencer Alors par le là. commencement. Tartak Las Vegas, déjà. C'était le 3 août, si je me souviens bien, oui. Et ça a été une grosse surprise. Je m'attendais à des nouveautés, mais pas autant. C'est vrai qu'ils étaient juste avant à sortir plein plein de promotions, c'est-à-dire sur l'abonnement à vie, sur les clés, plein plein de trucs. Je m'étais dit, oula, quelque chose de gros arrive. Je m'attendais à l'annonce d'une saison, voire d'une extension. Mais de là à l'annonce d'un giveaway, d'une refonte d'une passerelle, d'une nouvelle saison et un tout petit tease sur une prochaine extension. Je dois reconnaître que j'ai été surpris. Ouais, commençons par le commencement, parce qu'il est, on va dire, moins important. Le contenu TNG qui arrive. Alors, on a la fameuse passerelle et l'intérieur du Galaxy. Ça, c'est tout bonnement incroyable. Ça, je pense que plein de gens l'attendaient de pied ferme. Et je suis bien content qu'on l'ait enfin, parce que c'est vraiment une des plus belles passerelles, personnellement, je trouve. J'ai toujours aimé. Et c'est très. Maintenant, faut voir comment ils vont la donner. Comme tu me l'avais dit, est-ce qu'ils vont nous la faire comme avec le Voyager, avec une promotion en pack et on va tous se faire avoir, ou est-ce qu'on va avoir droit dans ces stores? Mystère. On a aussi dans là-dedans, dans les giveaways, on a le scant uniforme. Voilà, c'est sympa à avoir. Et la navette de type 10, 7. Je sais plus, tellement de navettes. La Bref, une 7, je navette. crois. C'est pas la plus belle, hein, personnellement. Je trouve que. Mais enfin, voilà. Mais le plus intéressant, c'est l'épisode Beyond de Nexus qui va arriver. Alors, moi, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé au Nexus de Star Trek Generations, en partie la cause de la destruction du Class Galaxy, mais pas vraiment. Et je me souviens que, il me semble, dans Passe 2049, on disait que en 2510, le Nexus devait revenir. Ça peut devenir très intéressant. Donc c'est aussi une manière de nous faire aller sur la passerelle d'une galaxie pour nous montrer à quel point c'est beau, aussi. Mais voilà, je pense qu'on va revoir ce machin et ça va. Bon, le problème, c'est que ça va nous faire voyager dans des mondes où, bien sûr, on va voir, à mon avis, peut-être des personnages de TNG. À mon avis, on va voir la Forge, l'époque où il était sur l'Enterprise. Pas Captain comme il est maintenant en 2410, à la manière du premier épisode de l'Arc Delta, Mindscape, je sais pas si tu vois, où on va dans une sorte de passé du Voyager, on voit Harry Kim, on voit le Docteur pendant qu'ils sont encore dans le quadrant. Je pense que c'est surtout une excuse pour nous faire ça, mais enfin. Très certainement. Ça, c'est très sûr. Après, on pourra en revenir effectivement au moment où ils vont le donner. J'ose espérer qu'ils ne feront pas comme avec le Voyager. Ou moi, je suis arrivé dans le cas où j'avais déjà acheté le Pathfinder. Donc, j'étais plus éligible pour le pack. Et du coup, la passerelle sur mon compte principal, je ne peux physiquement pas l'obtenir. Donc, j'ose espérer qu'ils ne feront pas la même chose pour Galaxy.
Par contre, du coup, pour le coup, voyant la chose venir, je n'achèterai pas les tiers 6 avant de savoir comment elle sera donnée, cette passerelle exactement. Je vous encourage à faire la même si vous convoyez un petit peu, convoitez un minimum cette passerelle, pour éviter tout le coup de vous prendre. Ah zut, j'ai déjà acheté le vaisseau qu'il faut pas avoir acheté pour pouvoir l'obtenir. Donc voilà. Eh bien, bon, d'ailleurs, bonjour Trezebook, bienvenue, bonne Bienvenue à inscription. toi. Mais voilà, je trouve que c'est déjà dommage parce que les passerelles n'ont pas une utilité énorme, c'est vraiment très esthétique. Alors, si en plus on vient te les foutre dans un pack qui coûte super cher, enfin, voilà, c'est un peu dommage. On pourrait avoir la décence de les mettre dans le C-Store, hein, mais enfin. Et justement, tu as Trezebook qui dit quelque chose de très intéressant. C'est qu'il y a déjà effectivement une passerelle, alors au niveau passerelle réelle, qui ressemble à celle-ci. Donc qui coûte actuellement 400 zen. Et Trezebook suggère une solution qui serait simplement de remplacer celle-ci. Pour le coup, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Oui, mais alors C'est pourquoi ils pas l'ont pas fait pour impossible. Voyager? Parce qu'on a aussi des variantes de passerelles intrépides dans le C-Store, il me semble. Ouais, mais Ou je alors crois ça qu'elles n'a rien à voir. sont. Il me semble qu'elles sont plus éloignées. C'est vrai. Je crois pas. Là, tandis qu'on a quand même des trucs, un nouveau l'arceau derrière avec les deux consoles devant. Ouais. Enfin, À voilà, ce des trucs qui moment-là, ouais, sont beaucoup c'est plus vrai que ce proches. serait très très bien de pouvoir faire ça. Mais la Mais question sera avant tout de les finalement, faire. c'est comme la passerelle défiant. On peut, bon, là, c'est peut-être un peu plus facile de l'avoir, mais encore une fois, faut payer un pack à 2250 zen pour avoir la passerelle. Si c'est vraiment ça que tu veux, bah, c'est un Ouais, peu. la C'est Belfast. dommage que des passerelles si iconiques soient vraiment chères. Et ouais, Ouais. voilà, c'est un peu décevant, je trouve, de leur part. Mais bon. Cher et inaccessible pour certaines, du coup. Ah ouais. C'est surtout l'inaccessibilité qui est, on va dire, incompréhensible au point de vue business. Parce que des personnes qui voudraient même l'acheter, je sais pas, celle. Oh, je vais prendre celle du Voyager. Il y a des personnes qui seraient très certainement prêtes à repayer le pack complet que pour la passerelle, des Bien sûr grands que oui. fans, mais on peut pas. Donc ils se privent d'un potentiel marché. Donc voilà quoi. C'est un peu bizarre. Donc on verra s'ils commettront la même erreur que la galaxie ou pas. Ça, bon, ben, on le saura assez rapidement. Donc la date de la sortie de la saison 14. Non, 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 c'est avant, hein, le 12 Ah ouais, septembre. c'est le. Non, Effectivement, c'est même 12, pas la même 12, chose. attends, je ne sais plus, c'est, je confonds toutes les dates. 12 septembre, oui. Saison 14, elle arrive quand encore? C'est en octobre, mais quand? Alors bon, les dates, Bonne je les ai question. pas sous les yeux, Non, mais moi non du plus. coup effectivement, donc on aura en septembre du coup ceci qui arrivera. Et du coup, ben en parlant de la saison 14, ben qu'est-ce Tintin. qui arrive dans la saison 14? Alors je pense que le plus gros morceau, c'est clairement cette nouvelle colonie de flotte qui, sur Reddit, en inquiète plus d'un pour ses 5 tiers, hein, clairement. C'est vrai que ça fait peur. Bon, moi je suis peut-être pas très bien placé pour parler de ça, donc je suppose que tu as ton mot à dire sur cette fameuse ce nouveau bâtiment de flotte. Oui, bon, bah, évidemment que j'ai mon mot à dire, j'ai mon mot à dire sur tout. Bon, premièrement, donc, bâtiment de flotte. Le seul qui est actuellement en 5 tiers, c'est la base stellaire. Donc, la base stellaire, c'est le bâtiment principal de la flotte, c'est le premier qui est arrivé. On a les 5 tiers là-dessus. C'est quelque chose qui prend du temps à monter. Là, la CDF, on l'a atteint qu'il y a quelques mois. Le tiers 5, oh, quoi, peut-être un an maintenant, la base stellaire, peut-être un peu plus, je sais plus exactement quand on l'a obtenu, mais on a mis, c'est vraiment plusieurs années pour la monter. Tandis que tous les autres bâtiments donc, qui sont venus autour étaient des bâtiments à 3 tiers, qui eux ben, sont assez rapides, ben, se montent assez rapidement. Ce qui fait en fait beaucoup peur. Sur ce bâtiment-là, c'est le fait ben, que du coup tu te retrouves avec 5 tiers qui, s'ils veulent faire un truc un minimum cohérent, sera forcément du coup monté sur. On montera à la même vitesse que la masse stellaire et du coup va prendre un temps fou à monter. Mais d'un autre côté, ces 5 tiers peuvent s'expliquer par quelque chose de très simple. Et du coup, Kronos, je te laisse expliquer ce qu'est cet élément de flotte. Bien, déjà c'est une colonie et donc ce qu'on aura droit c'est à des événements sur cette colonie. Et là ça peut devenir très intéressant tout bêtement pour donner de l'interaction à tout ça. Maintenant,
Qu'est-ce que ça va être comme événement? Ça va donner des récompenses, faire avancer les tiers, donner plus de trucs? Aucune idée. Bon, non, c'est vraiment rien. Clairement, on a juste eu une annonce, mais ça peut être très intéressant. C'est quelque chose qui s'annonce vraiment, vraiment différent de ce qu'on a vu comme bâtiment de flotte pour le moment. J'attends de voir quel genre d'item on va y avoir. Déjà, les images qu'on en a, c'est magnifique. Pour petit aparté, j'adore ce qu'ils font avec les Lucari. Le design est magnifique. Ils sont en train de faire quelque chose de très intéressant avec les Kentari. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes qui viennent avec cette saison 14, notamment ce bâtiment de flotte. Mais voilà. C'est encore très vague. Ouais, donc justement, on a ce côté planète. C'est pour moi ce qui peut justifier les 5 tiers. Du fait que on a les flèches, une mine, ça c'est des petits trucs, c'est local, c'est voilà. Tandis que là on sera vraiment sur une planète, donc on peut imaginer qu'au fur et à mesure ils donnent accès à des zones de plus, oui. Pour X raisons, parce que justement dans cet aspect interactivité qui était annoncé. Alors après, est-ce qu'ils feront quelque chose de bien ou pas? On sait pour le moment encore rien, seul l'avenir nous le dira. Mais ils ont vraiment moyen de faire quelque chose qui soit sur le future proof en fait. Qui puisse vraiment, à partir de ça, développer à fond et pourquoi pas redonner une image beaucoup plus de d'interactivité dessus. Et là, on a Kanagan de le chat qui fait une corrélation avec Nuramidus. Oh ouais. Ouais. Exactement, ça, ce sera complètement explorable. Il l'avait cité dans un tweet. Et ça peut être très intéressant d'avoir des petites interactivités avec plusieurs personnages, des petites missions qui nous permettraient d'avancer quelque chose, de débloquer des trucs. Je suis très intéressé. Ils ont piqué ma curiosité avec toutes leurs annonces, là. Ça a bien fonctionné. Ouais, effectivement. Cette saison-là, franchement, j'attends des infos. Parce que tant ils peuvent, bon, comme pour tout, ils peuvent la foirer. Mais ils ont le moyen de faire quelque chose de bien. Ils ont vraiment le moyen de faire quelque chose de bien avec ça. Là, ce qu'ils ont annoncé est le 12 juillet 2012. Ouais, c'est arrivé juste à me retrouver du coup la date où on a passé tier 5 pour voir le temps que ça nous a pris. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Bonne question. Mais bon, on n'était pas à fond dessus, évidemment. Là, en faisant tout, chaque jour, dans cette émission, chaque jour, je crois qu'il faut pour la Starbase 1 an et demi, plus ou moins, pour la monter tier 5. En lançant chaque jour le bon projet à fond. Ce qui est, pour une flotte de la taille de la CDF, tout à fait possible. J'imagine, si on s'y met tous, mais il faut tous s'y mettre. Mais bon, on verra de toute façon comment ça se passait. Ça sera peut-être des tiers simplifiés. On n'en sait vraiment rien pour le moment de comment ça va se passer. Mais du coup voilà, donc ouais, ce bâtiment de flotte là, du coup toute l'histoire qui va se passer autour, donc l'épisode qui va amener ce bâtiment, tout ça, les Lucari, les Kentari, c'est vrai que pour le coup on a moyen de retourner dans un truc moins guerre comme on avait eu avec les Iconiens, oui. Comme on avait eu avec Segeti. Tant l'arc Iconien d'un point de vue scénaristique est exceptionnellement bon, tant c'est vrai que c'est la guerre. Et que si j'incarne quelqu'un de Starfleet, c'est pas forcément pour faire la guerre, excepté sur quelques persos, mais bon, ben voilà. Enfin voilà, Starfleet, c'est l'exploration, c'est la diplomatie, c'est la découverte de nouveaux peuples. C'est pas combattre. Donc ils ont moyen de repartir plus ou moins là-dedans. Ben, d'ailleurs, les Lucari ont été implémentés à la fin de la guerre iconienne justement pour relancer un peu cette exploration. Et je trouve qu'ils ont beaucoup trop vite réimplémenté les Tsenkaeti, réimplémenté la guerre. Oui, c'est dommage. Mais Melting Pot, c'est vrai, j'en attends un épisode plutôt pacifiste. Allez, on va vraiment s'installer dans la colonie, parler avec les gens et peut-être avoir plus de conflits internes entre Kentari et Lucari, parce que ça doit pas être facile. Finalement, c'est devenu au fil des siècles deux espèces très différentes. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant à développer. Je peux me corriger, je suis pas sûr que ça a été vraiment fait. Vas-y, on peut prendre les Vulcains et les Roméniens, c'est plus ou moins la même chose. En un peu différent, mais c'est le même principe. C'est deux espèces, mais de deux planètes différentes. Ouais, à la base, c'est la même. Hein. Faut voir. Ils se sont séparés, les Roméniens et les Vulcains. Historiquement, c'est une seule et même espèce. Ouais. Et
Donc ils ont fini par se différencier au fil des années. Mais du coup, ben, on a encore la corrélation avec Nuremulus, où t'as les Rémiens et les Romuliens qui du coup doivent apprendre à cohabiter, etc. Et pour le coup, Nuremulus, certes scénaristiquement parlant, ben, c'est pas terrible. Par contre, derrière, les décors sont déjà plutôt bons. Pour l'époque où ils les ont fait, etc., par rapport au design général du jeu, ils ont bien réussi. Après, avec les améliorations de design qu'on a eu ces dernières années, du coup, à mon avis, pour les yeux, ça va être un délice. Ça, effectivement, il faudrait juste encore qu'ils boostent le support du 4K, puis on s'en mettrait plein les yeux. Ouais. Ça, c'est... Mais, voilà. Et du coup, bon... On a aussi la spécialisation travailleur miracle hein, qui peut et qui encore une fois ça m'a piqué mon attention parce que quand j'en ai entendu parler la première n'est pas fois officiel. Donc, ah si c'est officiel hein c'est dans le poste c'est dans le poste sur la ST sur à propos de la STLV et au début quand j'en ai entendu parler j'ai pensé que ce serait une spécialisation secondaire qui boosterait les îles, voilà, les îles et les compétences d'ingénierie, mais non, il s'agit d'une spécialisation principale. Donc, ça inclut probablement, c'est pas sûr, mais des vaisseaux travailleurs miracle. Chaque fois qu'on a eu une spécialisation primaire, on a eu des vaisseaux avec intelligence, temporelle, pilote et commande. Ça peut être intéressant pour les gens qui jouent tank. À voir. Une fois, on a tellement peu de choses qu'on peut... que théoriser et spéculer. Ouais, ben c'est effectivement. Il y a plein de petits trucs qui s'annoncent franchement pas mal. Après, ben faut voir, comme pour tout, ils peuvent soit faire quelque chose de très bien, soit faire comme ils l'ont fait pour d'autres éléments, en faire quelque chose qui ressemble à rien. Ah, moi j'ai regagné confiance. La saison 13.5 m'a redonné confiance. C'est vrai que la 13.5 était exceptionnellement très bonne. Bon, on va pas pour une point 5 parce qu'on a on a assez parlé lors de la première édition. Donc, si vous avez des questions sur ce qui est arrivé et autres, je vous renvoie sur le replay de la première édition où on a plus ou moins dégrossi. Bon, je crois tout ce qui avait été rajouté par l'extension. On a peut-être oublié un ou deux détails inférieurs, mais on va dire tous les gros points avaient été pris en compte, et du coup bon là on a plus ou moins fait le tour je pense de ce qu'il y a pour TNG et la saison 14. Ouais, des trucs un peu mineurs, genre de nouveau une alerte Tienkiti. Bon, ça rien à dire, à mon avis ça va être du même genre que la Nakul, ça peut être intéressant pour les gages. Et deux nouvelles piles d'attente de flotte, de défense de flotte, pourquoi pas aussi, à mon avis liées toujours à la colonie. Mais voilà, on en a encore très peu, mais suffisamment pour avoir capturé mon attention. Ouais, après, ce que je ne peux qu'espérer, c'est qu'ils ne le fassent pas comme la 13, où tout d'un coup, on était la semaine de la sortie, puis mais c'est cette semaine qui sort la saison, parce qu'ils n'ont quasi rien publié, en fait. En avance, là, j'espère qu'ils vont nous racher comme ils ont fait avant des infos. Alors, des fois, c'est des infos qui arrivent demain à l'avance, c'est chiant parce que du coup, tu attends, etc. Mais relâcher petit à petit les trucs, pour moi, ce sera aussi un gage de qualité du fait qu'ils font pas tout à l'arrache. Ouais. Mais du coup, on a plus ou moins fait le tour donc pour la saison 14. Donc, maintenant, on va passer à la partie actuelle. Actuellement, en jeu, il y a l'event de Sumpec. Alors, je vais présenter très sommairement cet event. En gros, on est en équipe de 5, on est dans une simulation, et le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Voilà. Ça, c'est des gros si en gros. Les ennemis, on aura on aura plus ou moins tous les ennemis disponibles en jeu, à l'exception peut-être de quelques-uns, et des ennemis en plus, typiquement les M113. Qui débarquent ils viennent de TOS. De TOS, on n'en a pas parlé ailleurs, du fait qu'ils sont plus ou moins censés être justement éteints. Ouais, ils sont censés être éteints, oui. Mais vu qu'on est dans une simulation holographique, c'est le bon moment pour se fight avec. Et d'ailleurs, je les déteste parce qu'ils sont très chiants à tuer. Du fait qu'ils nous ralentissent, en fait, tout simplement. Donc voilà.
Avec, donc, du coup, on a un event donc, qui dure 3 semaines. Donc, à l'instar des chrysalides et des miroirs, des brèches, etc. Donc, il y a deux versions de l'event actuellement disponibles. Donc, tu as la version timée qui, quoi qu'il se passe, dure 20 minutes. Sauf si on meurt tous avant. Mais au bout de 20 minutes, elle se coupe. Et une autre qui dure, tant que vous perdez pas, elle dure. Jusqu'à ce que mort s'ensuit. Donc, du coup, contrairement en fait à une cristalline ou à une brèche où tu as un but de mission, puis où tu termines la mission, puis bon, tu termines la mission, puis pas continuer après pour obtenir l'item, Sumpec fonctionne d'une manière différente du fait que, vu que c'est un système de vagues, ils vont pas te demander à chaque fois d'atteindre la vague 120. Parce que la vague 120 est très compliquée à atteindre. Puis il faut vraiment du coup être une très bonne équipe, limite être en vocal, etc. pour avoir une chance de l'atteindre. Donc du coup, il suffit d'accomplir les 4 premières vagues. Donc à savoir juste qu'il faut attendre que le 5, enfin d'être dans la cinquième vague, pour du coup quitter, se faire tous tuer, pour terminer la mission, pour obtenir l'item. Parce que les chiffres qui sont annoncés, ce sont la vague actuelle et pas la vague terminée. Donc, du coup, il faut pendant 14 jours faire la mission. On a 3 semaines pour le faire. Donc, on a du coup une semaine, entre guillemets, de bonus où on peut se permettre du coup de louper si on n'est pas disponible. On n'est pas obligé de se connecter à 3 h du mat pour la faire. Sachant que. On peut obtenir une fois l'item toutes les 20 heures. Donc ça c'est très important à prendre en compte, c'est qu'on ne travaille pas sur les jours réels comme le font d'autres jeux par exemple. Ou comme le font par exemple dans le système d'Endeavor, qui c'est tel jour à telle heure, telle la nouvelle Endeavor qui est disponible. Contrairement par exemple ici où c'est 20 heures après, comme pour les gages bonus, c'est un cooldown de 20 heures. Au bout de 20 heures, tu peux réobtenir un gage bonus. C'est pas au bout de. Donc, tu fais une PVE juste avant minuit, une juste après minuit. Juste après minuit, tu n'auras pas les gages. Tandis que si tu fais l'Endeavor juste avant 19 h, après 19 h, par exemple le lundi, tu auras la nouvelle Endeavor qui sera disponible. Voilà, juste ça aussi à prendre en compte. Il suffit pas de les faire les 14 à la suite. En mode, je fais mon dimanche pour le faire, puis basta. Donc après, on a justement ça. Donc c'est un event qui est très intéressant par sa conception d'event terrestre. Parce que si on regarde les autres events, c'est tout du spatial. Donc c'est actuellement le seul event terrestre disponible en jeu. Ce qui est très intéressant parce que ça valorise le côté terrestre. Les 5 premières vagues sont relativement rapidement faisables. Donc ça fait qu'on peut les faire sur plusieurs persos. Sans trop de problèmes. Bon, pour faire mes 14 persos, il me faut quand même limite 2 h 30 parce que je tombe toujours sur des équipes qui veulent continuer le plus possible. Donc évidemment que si les autres veulent pas mourir, ça continue. Et ça continue, enfin voilà. Mais bon, si vous les avez déjà faites, vous savez très certainement de quoi je vais parler. Donc c'est un event qui est très intéressant donc sur son principe et dans la réalisation parce qu'il est très bien fait. Moi, j'ai pas encore eu de bug. Sur Steven, étonnamment. À aucun moment je suis mort alors que je devais pas mourir ou j'ai pas rip up alors que je devais rip up. Le seul truc étrange que j'ai repéré, c'est les temps de respawn. Ou des fois tu tapes 40 secondes de respawn, des fois tu t'en tapes 20 et des fois c'est instant. Mais j'ai pas trouvé de règle pour le moment sur le pourquoi du comment, c'est comme ça, puis c'est tout. Et puis, petite chose qui est du coup très chiante, puis que tu t'en rends compte en fait que dans ce genre d'event où tu tapes les 40 secondes, c'est que le bouton Help n'est disponible qu'après les 40 secondes à côté du bouton Respawn. Donc, résultat des courses, si tu dois demander de l'aide, faut le faire via le chat. Ah! Un ennemi derrière un mur, impossible à tuer. Alors, j'ai rien dit, il y a des bugs qui existent sur cette mission. Étonnamment, ça ne m'étonne pas. C'est vrai qu'une mission sans bug, ça aurait été très étonnant de leur part. Mais, du coup, merci de ce partage. Donc, effectivement, il y a des bugs. Mais relativement rares, contrairement à d'autres missions, qui bug à chaque fois.
Là, c'est du coup anecdotique. Puis bon, bah, du coup, effectivement, les ennemis impossibles à tuer, bon, bah, il reste plus qu'à l'abandonner. Et il faut espérer que ce soit après la vague 5. Autrement, t'as littéralement rien. Donc voilà, puis vu que c'est un système à vagues, bon, plus tu avances dans les vagues, plus tu gagnes de dilithium et de matériel R&D. Donc voilà. C'est plus de gages, évidemment, qui sont ben, évidemment à choix. Donc, un petit event bien sympa. C'est la deuxième fois qu'ils le font, mais la première fois qu'ils l'avaient fait, ils l'avaient fait comme pour le Kobayashi, c'est-à-dire sur un week-end. Donc sur 5 jours, puis il fallait faire 3 jours à l'event pour obtenir l'item. Enfin, pour obtenir le... Ouais, c'est avec l'item, du coup, t'avais pas de gros bonus de dilithium et de gage à la fin. T'avais vraiment que l'item. Et du coup, ben c'est... Là, t'es vraiment... Là, on est vraiment passé sur un système à la cristalline, à la miroir, à la brèche, et plus sur un système... En mode event de week-end, au même titre que, je sais pas, un event d'off, un event XP, un event R&D, etc. Par contre, du coup, effectivement, sur les 3 jours, l'item était au compte, comme bah, Ati vient de dire dans le chat, tandis que là, bah, l'item, il n'est pas lié au compte. C'est un peu débile. Donc, du coup, c'est... Alors, effectivement, du fait que tout le reste, que ce soit les vaisseaux, des events, donc été, anniversaire, etc., sont liés au compte, les trucs sur 5 jours sont liés au compte, sauf pour ce qui est très récurrent. Typiquement, les doffs qu'on peut obtenir dans les week-ends doffs, ils sont pas liés au compte, ils sont liés au perso. Mais il y a beaucoup plus de week-ends doffs que de week-ends Sumpec, par exemple. Oui. Et surtout, le doff, c'est toujours le même. Tandis que Sumpec, c'est à chaque fois un item différent. Et ça, faut aussi le prendre en compte. À l'époque où les vaisseaux, par exemple, étaient liés au perso, donc il y a quelques années, ils étaient disponibles chaque année. Donc tu pouvais chaque année farmer le vaisseau qui te plaisait sur chaque perso. Mais on va pas revenir sur l'historique des éléments, parce que bon, bah, c'est pas le but non plus. Mais effectivement, du coup, là, si vous voulez le Sumpec Pulse Wave sur un perso, il faut faire les Sumpecs sur ce perso. Faut pas le faire sur un autre en disant que de toute façon je peux récupérer sur le compte. Là, ça marche pas. Ce Heureusement sera. qu'il y a les 50 000 lithium, hein, parce que sinon je ne le ferais pas. C'est un peu. Alors, effectivement, Je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. c'est le Sumpec, tu vas plus le faire pour le reste que pour l'item. Encore que, suivant comment, l'item pourrait être intéressant. Mais ça, ben, on le verra assez rapidement une fois que Clément aura pu l'obtenir puis qu'il l'aura testé. Je pense que c'est un des plus à même dans la flotte de pouvoir nous faire un retour objectif sur si c'est un bon item ou si c'est un mauvais item. Et dans tous les cas, ce sera un très bon item pour jouer un peu à gauche, à droite. Enfin voilà quoi. Comme on peut sortir n'importe quelle arme juste pour le fun. Dans tous les cas, si on trouve l'item joli. Ah bah, on trouve l'item joli, on peut jouer avec. Ce sera pas un item inutile à 100%, quoi. Donc, Bah, il est on pas en a inutile, il trouvé. va devenir rare, c'est tout. Il va finir dans Ouais. la catégorie Phoenix. Non. On va le retrouver dans les Phoenix, comme on retrouve les consoles, par exemple les consoles cristallines, les torpilles anti-proton, ce genre d'éléments qui étaient des rewards du cristalline. Donc effectivement, si vous n'avez pas envie de faire vos 14 Sumpec parce que vous n'avez pas envie ou pas le temps, hein, parce que bah, si vous faites un métier où vous êtes loin une semaine et demie, bah, vous n'avez plus le temps de faire l'event. Donc voilà, ou simplement vie de famille, enfin voilà. Donc si vous n'avez pas le temps de faire l'event, bah, vous les retrouverez dans les Phoenix et très certainement avec un très rare. Donc si vous voulez à tout prix l'item en une vingtaine de phoenix, en théorie, en moyenne, vous devriez l'obtenir. Puis là, bon, vu que c'est un item qui est de toute façon lié au perso, bon, vous aurez les phoenix sur le bon perso, enfin vous obtenez l'item avec le token sur le bon perso. Après, si vous avez la banque de flotte, la phoenix, que vous l'ouvriez sur n'importe quel perso, c'est pas important, c'est vraiment l'item. Il faut l'obtenir sur le bon parce qu'il est lié au perso. Tout le reste... Enfin, les tokens et les bucks sont liés au compte, mais les items qu'on obtient
avec le token sont liés au perso. Ça, j'aurais peut-être pu le préciser avant, mais je le précise maintenant, donc c'est bon. Pas vous faire avoir, c'est vraiment important. Donc du coup, effectivement, donc le Sunpeg, donc qui est un petit event très sympa, et qui du coup ben, laisse présager que le prochain Kobayashi, qui était d'ailleurs également un très bon event, qui a d'ailleurs eu lieu quand, je sais plus, c'était avant ou après la première édition. Il me semble que c'était avant. Je me rappelle pas en avoir parlé. On va aller vérifier ça. Mais Alors, voilà. c'était peut-être bien après. Dans tous les cas, le petit event Kobayashi, bon, on n'en avait pas parlé dans tous les cas dans la première version, donc on va parler un petit peu maintenant, comme ça s'est fait. Event que Monkey Yabeyu, au même principe en fait que Sunpeck. Donc, Oui, c'est si une c'était avant. simulation. Ouais. Donc, c'est une simulation spatiale. Qui utilise le même principe de vague. Il faut aussi accomplir les 4 premières vagues, donc être à la cinquième pour obtenir les. Ah, il y a Ati qui dit que c'était après, mais. On a fait le live quand? C'était en fin juillet. C'était le 29 juillet de Eh bien, c'était tête. avant parce que c'était l'event était du 29 juin au 3 juillet. Enfin bon, il me semble pas en avoir parlé beaucoup, donc le grossir un peu. L'idée derrière c'est la même, mais juste en spatial, donc simulation, système de vagues, les 4 vagues. Là on était sur 5 jours, mais du coup, ben vu que Sunpeck ils l'ont basculé sur 3 semaines, il y a de fortes chances qu'il bascule Kobayashi également sur 3 semaines. Et à force d'avoir les events sur 3 semaines, à mon avis, on va avoir de plus en plus d'events. Du fait ben, qu'il n'y a que 252 semaines sur l'année. Donc, l'année ne va pas grandir. Et qu'actuellement, si je fais le compte des events qu'on a, on a donc sur 3 semaines, on a Sunpeck, potentiellement le Kobayashi, la Cristalline, la Brèche et Miroir. Donc, ça fait qu'on en a 5. 5 fois 3, ça fait 15 semaines d'events. Et à cela, on a les semaines qui sont, on va dire, bloqués, donc event d'été, qui dure grosso modo un mois, event hiver qui dure également grosso modo un mois, et l'event d'anniversaire qui dure, lui, il dure genre 2 ou 3 semaines, je sais plus, j'ai un petit doute, enfin voilà, qui dure aussi grosso modo dans ces eaux-là. Donc du coup, ça fait qu'on a 5 events sur 3 semaines, plus 3 events sur un mois, 3 semaines. Donc ça fait qu'on aura bientôt la moitié de l'année où on sera en event. Donc du coup C'est un c'est. peu. C'est dommage parce que j'aimais bien son pec et Kobayashi Maru pour leur rapidité. C'était vraiment t'as un week-end et hop là c'est bon. C'était fun pour le week-end. Après, 14 fois, tuer des ennemis à la suite, ça devient un petit peu lassant. À la limite, une miroir, même si elle est compliquée, elle est sympa à faire pour sa diversité. Même chose pour la brèche. Cristalline, c'est encore autre chose. C'est juste tirer sur le machin, mais c'est Cristalline, rapide. c'est 2 minutes par truc, puis bah ça quoi. Mais salut Mais Claudius, voilà, bienvenue à toi. là, bienvenue, C'est. bienvenue. Donc, Tu ne on les vois voit pas, mais les chassons, là. ça. Faut pas oublier qu'on a nos mascottes. Ouais, là effectivement, on a les images qui s'affichent. Mais on arrivera bientôt, après la pause, on aura une partie plus. Plus discussion autour de ce qui pourrait arriver, etc. Où là, ben, on sera en jeu, du coup. Vous verrez les chats, effectivement, qui nous avaient été bien appréciés la première édition, qui nous étaient réclamés pour la deuxième. Donc, ils sont là. Vous les verrez après. Et vous les avez sûrement déjà vus pour ceux qui étaient là au début. Au début. Donc, du coup, effectivement, donc, voilà. Et maintenant, on va passer une petite partie. Donc où justement, allez hop, on rebascule sur l'écran du jeu avec les deux chats et Cronos en arrière-plan. Avec sa tenue qui rayonne de mille couleurs. Pense On qu'il faut le va noter. passer un petit concours cette fois-ci.
On a le banquier de la CDF qui a gracieusement mis à disposition une clé maîtresse. Donc, qui permettra d'ouvrir un coffre quelconque. Donc actuellement on est sur les Sona, mais ça peut être l'Inprivator, l'Infinity, etc. C'est clairement les plus avantageuses, mais bon. C'est clairement les plus avantageuses, mais en même temps, voilà. J'aurais bien voulu aussi ouvrir un chat, mais ils sont liés au compte. Alors. C'est dommage. Elle est neutre. Alors bon, les chats, on peut les trouver à l'échange aussi. Oui, mais est-ce qu'ils sont aussi beaux que les nôtres? Je ne pense pas. Alors, je veux dire que j'ai pas de chat de l'échange, donc j'en sais rien. Je sais que t'en as dit qu'ils sont tout noirs, etc. Mais. Qu'est-ce qui est plus beau qu'un chat roux et blanc, avec des yeux verts? Rien du tout. Mais du coup, pour gagner cette clé, on va quand même vous faire travailler un minimum. Donc, on va Pas simplement. grand-chose, hein, parce qu'on est gentil. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant la pause, qui va arriver tout de suite après, vous allez simplement, donc, soit pour ceux qui sont sur Twitch, via Twitch, donner un nombre, ou vous pouvez également le faire en fait sur le canal CDF, on surveillera les deux. En fait, ce qui va se passer, c'est que nous, avec Chronos, on va générer un nombre aléatoire. Et que la personne qui donnera le nombre le plus proche, voire le nombre exact, s'il a beaucoup de chance, gagnera la clé. Il est évident que vous pouvez participer qu'une seule fois. Et que toute double participation entraînera simplement la disqualification du concours. Donc vous n'avez aucun intérêt à le faire. Il n'y a Du coup, personne, c'est voilà. moi qui prends la clé, hein. Le but. S'il n'y a personne, la clé sera simplement remise en jeu la prochaine fois. Ah, zut. Mais il y a plusieurs personnes sur le live, donc il y a peu de chances que. Qu'il y ait personne. Jamais, Mais. hein, si tout le monde met deux fois un nombre. Oui. Et moi, je peux participer? Les organisateurs sont évidemment, comme dans tout concours, exclus de participation. Alors, Dommage. bon, Et voilà. miaou, miaou à toi, Sylphéo. Hein? Et du coup, donc voilà, je réexplique vite fait le principe. Vous mettez un nombre dans le chat, vous en mettez un seul entre Et tu 0, mettais une limite entre 1. entre 0 et 100. C'est vrai que si je vous dis pas la limite, ça va pas le faire. Oula! Bon, pour corser un peu, on va lire entre 0 et 50, parce qu'on n'est pas 36 000. Donc un nombre entre 0 et 50, vous le mettez du coup pendant la pause, et à la fin de la pause. On aura du coup un gagnant qui sera annoncé, puis bon, on prendra contact avec lui pour lui envoyer à la fin du live la clé. Donc, sur ce, nous, on va partir en pause. Je vous dis bonne chance donc pour le concours et à tout de suite.
Alors, nous sommes toujours sur le journal interstellaire. Donc, nous sommes de retour de pause et nous allons tout de suite procéder à la révélation de qui a donné cette clé. Alors, si on reprend les chiffres, on a eu pas mal de chiffres différents, assez intéressants, etc. Et un chiffre qui est exactement le chiffre tiré aléatoirement. Quelqu'un a eu beaucoup de chance. Et je suppose que vous voulez évidemment savoir qui est cette personne. Alors, cette personne est Claudius. Félicitations, Claudius. Le chiffre était effectivement, enfin le nombre était effectivement 26. Bravo, j'applaudis. Donc, du coup, je prendrai contact avec toi à la fin du stream pour te remettre la clé. En main propre. Félicitations à toi. Alors. Allez le faire, hein. Et maintenant que ça s'est fait, donc. J'ai vu que pendant la pause, vous avez discuté un peu des leaks qui ont été annoncés, le prochain vaisseau d'hiver, etc. Donc, du coup, je vous propose directement, en fait, passer à la partie leak. Et on terminera, du coup, avec l'extension 2018. Donc, on va commencer par les leaks généralistes, donc qui peuvent arriver d'ici l'extension, mais pour le moment, on va rester en dehors de l'extension Oui. pour vraiment séparer, parce que ben, il y en a un côté, c'est pur spéculatif, on n'a aucune info officielle dessus, et de l'autre, on a déjà en fait une info officielle qui nous permet de construire. Donc, du coup, on va simplement passer à la partie spéculation sur ce qui va arriver, et je propose ben, tout simplement de commencer par, on va dire, le leak le plus certain, c'est-à-dire le vaisseau d'hiver. Oui, ça, même la logbox Tenkeity me paraît évidente, personnellement. Mais on va voir. Mais c'est vrai que bon, les brines, ça, je pense que c'est une tradition depuis le début du jeu. Tout ce qu'on a, c'est des vaisseaux brines pour l'hiver. Et il me semble que l'escorteur n'avait pas encore été refit, donc c'était le moment, hein. Alors, pour être plus exact, c'est un raider et pas un escorteur. Oui, Raider, Raider. Effectivement, c'est le seul qui n'a pas encore été refait en tier 6. Donc, du coup, c'est évident qu'il va être refait en tier 6 cette année. Ce serait complètement, on va dire, illogique de la part de Cryptic de ne pas le donner cette année. Et du coup, ben, je ne suis qu'encore plus impatient d'attendre l'année prochaine pour voir si nous réinventons un vaisseau Brine. Ou si J'espère nous que non. dirons Ah, les Brines, on en a marre. Ben, passer à autre chose, comme ils l'ont fait plusieurs fois en fait pour l'été, où je le rappelle, on a eu les deux vaisseaux Rhysiens, donc la corvette et le croiseur. Ensuite, on a eu un vaisseau Ferengi, donc le Lundi. Et ça fait 2 ans qu'on a des vaisseaux Vorgon. Probablement comme l'a Donc. souligné. Il avait souligné. Il n'y a déjà plus. Oui, C'est Callaghan, comme l'avait Callaghan. souligné Callaghan, ben on aura sûrement droit au croiseur en l'été prochain, ça me paraît évident. Bon, après j'espère qu'ils vont aussi passer sur autre chose. J'aime bien les. Finalement, mon préféré c'est l'event d'anniversaire parce que c'est toujours différent. Donc C'est voilà. vrai que l'event d'anniversaire, tant le premier event, chacun a un où tu gagnes une version un peu nerfée de l'Odyssée. Je sais pas si t'avais. Je crois qu'il y avait encore un autre vaisseau que tu pouvais gagner avant. Mais après, ils sont passés à des vaisseaux plus intéressants, donc comme le Lucario qu'on a eu cette année. L'année passée, on a eu le Ah, j'ai oublié le nom de la race, mais c'était le nouveau Le crénime. scientifique, le Crénime. On a eu le croiseur. J'ai de nouveau oublié son nom. Je t'en ai parlé juste avant le stream en plus, le Samsar. Voilà. Oui. Enfin, on a eu des vaisseaux très très variés, très diversifiés. Et c'est vrai que ça manque beaucoup d'un point de vue event d'anniversaire, event d'hiver. Mais event d'hiver, c'était logique que ce soit Librine. Parce que voilà, Librine, c'est la race glacée. On est chez eux, on y met pour l'event d'hiver. Enfin, non, on n'est pas chez eux. On est chez Q, mais Q a récupéré des Librines pour le gérer. Enfin, voilà. En gros, c'est les Brines qui gèrent l'event d'hiver. Enfin voilà,
c'est plus ou moins logique. Donc on a eu beaucoup de choses. Les brins sont en temps, enfin sont, moi je les trouve personnellement très sympas pour leur côté complètement asymétrique. Mais c'est vrai que ben, ils ont un design très particulier. Et on aime ou on n'aime pas, quoi. De nos côtés, comme pour tous les vaisseaux, c'est vrai que là, ils pourront changer parce que ça fera très longtemps qu'ils auront l'hybride et qu'ils pourront du coup ben, changer pour autre chose. La question sera quoi, mais ça, on la verra en fait tout simplement dans un an. Ça, c'est. Puis l'attendre. C'est rien de trop chercher à voir qu'est-ce qui pourrait nous sortir là-bas, parce qu'on a littéralement aucune idée de ce qu'on pourrait, de ce qui pourrait sortir. Donc on pourrait évidemment spéculer sur ce qu'on a nous envie, mais pas sur des bases réelles. Donc voilà. Et maintenant, bah évidemment, t'as parlé juste avant aussi de la box Tsengeti. Alors effectivement, c'est une box qui serait logique, ouais, du fait que on est en pleine guerre avec Tsengeti actuellement. Et on n'a encore aucun vaisseau de Tsengeti jouable. Ouais, et donc ça pourrait... Ça... Et par conséquent... Ce que ça pourrait surtout dire aussi, c'est peut-être qu'on approche de la fin de l'arc Tsengeti. Parce que si tu te souviens bien, on avait eu la box iconienne après l'arc. Après toute cette histoire, donc... Voilà. Est-ce que c'est vraiment la fin? Oui? Non? On verra. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette boîte, ce qui pourrait... ce qui, dans les leaks... attention, ça reste toujours un leak. Donc c'est à prendre avec des pincettes, c'est qui aurait aussi encore un nouveau vaisseau de Lucari, et pas n'importe quel genre de vaisseau, ce serait un vaisseau de tier 5U, c'est-à-dire ce genre de petit vaisseau secondaire sans console particulière et sans trait, et qui se vend pas trop cher à l'échange. Ça dépend desquels. Parfois il y en a qui vont à 6 millions, à 3, à 1, mais à la manière d'un Mesh Weaver ou d'un Arabes, et ça je trouve ça sympa pour les gens dans mon genre pauvre comme le tiers monde, c'est toujours intéressant. Maintenant voilà, je le répète, c'est un leak, c'est à prendre avec des pincettes, même si le subreddit LeaksForesteo me semble plutôt qu'on peut le croire, parce que c'est maintenant un peu réglementé, on va dire, il y a que quelques utilisateurs qui peuvent poster. Mais enfin voilà, et après on a aussi les deux vaisseaux de Tsengeti, on aurait le Skudgidin, j'ai encore oublié le nom, c'est tellement infâme, un escorteur, le Skukdin. Et un battle cruiser, le Race Beige. Bon. Voilà. Mais voilà. Et comme je souligne Trace the Book, c'est vrai que ce serait sympa que pour l'anniversaire, on ait soit le choix de rechoisir le design, ou alors tout bêtement, une des anciennes formes. Parce que c'est vrai que y a beaucoup qui voulaient la soucoupe. Ça pourrait être sympa d'en refaire un avec une soucoupe. Alors effectivement. On va voir. Après, donc pour en prendre les vaisseaux que t'as cités. Effectivement, celui qui est le plus intéressant sur le papier, donc le T5U, est selon moi aussi le moins probable. Du fait que ben, les deux Tsengeti, on les a suffisamment croisés en jeu, enfin voilà, si on regarde les vaisseaux box, c'est très souvent des vaisseaux qu'on a beaucoup côtoyés. Tandis que là, les Lucari, ils commencent l'exploration spatiale, donc le vaisseau d'anniversaire est vraiment le premier vaisseau qu'ils ont réel avec concept de distorsion, blablabla. Donc ça me semblerait assez étrange, un peu du scénaristique, qu'ils aient un deuxième type de vaisseau, limite encore plus banal. Parce qu'on parle vraiment d'un vaisseau de classe Freyat, etc., qui sont des vaisseaux plus petits, beaucoup plus banal, beaucoup plus démocratisé. Ils avaient l'efficacité de les faire dès maintenant, alors qu'ils ont obtenu il n'y a seulement que quelques mois leur premier grand vaisseau. À voir. Après, bon, on est dans un jeu, donc tout est possible. Pas spécialement, je trouve que ça fait sens que ce soit pas un tier 6 mais un tier 5U. Ça prouve que c'est pas un vaisseau aussi un aussi gros projet que le Hokun, mais que c'est vraiment peut-être des plus petits vaisseaux pour l'exploration. Moins importante, donc voilà, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas un vaisseau qu'on a encore vu, contrairement à tous les tiers 5U, la Rebels, on l'avait vu, le Mesh Weaver, on l'avait vu, tous ces vaisseaux, c'était des vaisseaux qu'on avait déjà vu dans les épisodes et puis qu'on a eu après. Donc à voir. Mais, je tiens à souligner un point,
c'est que c'est un leak, donc on ne sait pas quand ça va sortir. Donc comment ça va sortir après la saison 14? Et peut-être que dans l'épisode de la saison 14, on aura ces petits vaisseaux. Donc, Dans le titre du post, c'est saison 14 de Tenkaichi Logbox. Donc je suppose que... Est-ce que la Logbox va arriver en même temps, va arriver un peu plus tard? De notre côté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des leaks. Donc eux, ils supposent que ça va, tout va sortir en la saison 14, mais ils n'ont aucun moyen de le savoir vraiment. Non, non. Le seul moyen serait une communication officielle. Ou que l'employé vende la mèche, mais bon, ben ça, ce serait, je dirais, très dommage. Après, il y a Claudius qui soulève une théorie intéressante, qui dit que le premier serait un prototype et que les seconds seraient plus exploration, etc. Pourquoi pas? Et ça expliquerait pourquoi c'est pas un tier 6, mais un tier 5. Donc moins puissant et moins intéressant. On va voir. Tout on doit attendre saison 14, 14.5, voire saison 15. Je pense que la Logbox Tsenketi est très probable. L'arrivée d'autres vaisseaux Lucari, inévitable. Puis tant mieux, parce qu'ils sont, ils sont vraiment sympas, quoi. Ça change vraiment des autres types de vaisseaux. Puis de tout, en fait. Même les bâtiments de flotte, comme on l'a souligné, elle a vraiment l'air sympa. Enfin, voilà. Bah, ils changent parce que finalement. On tombe vraiment, on a l'impression, c'est ce qui me fait dire qu'il peut vraiment utiliser ça pour donner le. Pour donner le. J'oublie mes mots. Pour donner vraiment un sens exploratif au jeu et sortir un peu du combat, guerre massive. Alors, le combat fera partie intégrante du jeu, c'est obligé. Du fait que si c'est que de l'exploration, ils vont perdre trop de personnes qui jouent au jeu pour lesquelles combattent, etc. Donc c'est pas intéressant non plus pour eux. Donc il y a forcément du combat. Mais ce sera peut-être du combat plus comme on a eu avec la première mission Lucari, donc, où on découvre K13. Où au final, t'as Manran qui veut s'emparer de K13, donc on combat Manran. Mais on n'a pas de. On a une grosse partie de la mission, c'est l'exploration au sol. Découvrir ce qui est arrivé, etc. Et je trouve vraiment ça très sympa. Et j'espère vraiment que les nouvelles missions qu'ils vont nous faire, que ce soit Beyond the Nexus pour TNG, ou que ce soit la nouvelle mission saison 14, ou les suivantes, soient très, très fortes. Après, nouvelle réputation. Oui, évidemment, il y en aura une qui va sortir. Après... Franchement, est-ce qu'il va sortir pour la 14 ou pour la 14.5? Honnêtement, j'espère la 14.5 parce que j'ai trouvé qu'ils ont sorti la Lucari et la compétitive beaucoup trop proche. Donc j'ai encore beaucoup de mes persos qui sont en train de les monter. Mais après, s'ils sortent pour la 14, je dirais plus que pour la 14, là ils sortent quoi? Parce qu'ils ont déjà sorti la Lucari. Fait que la saison 14 a tourné autour des Lucari, ce serait bizarre qu'ils en sortent pour la 14. Après, ils pourraient nous faire la Kantari. Mais bon, ce serait un poil tiré par les cheveux en manque de contenu. Puis après, je peux lancer la petite pique, ils pourraient nous faire la Ferengi. Hein, évidemment. D'un côté, ils ont plus ou moins sorti toute leur saison dans une saison entière. Pas jamais, rarement .5. Je remonte à la Counter Command, c'était en saison 9. La Iconienne, c'était en saison 10. La Terran, c'était en saison 11. La Lucari, c'était en 12. Et la Wargame, c'était en 13. Donc, je sais pas. Et en sachant qu'entre eux, t'as par exemple la Temporelle qui était avec Agent of Yesterday ou la Delta qui était avec Delta Rising. Donc, le fait qu'on ait une réputation, ça se tient. Mais sur quoi? Est-ce qu'il pourrait être intéressant, je sais pas, mais ce qui pourrait être marrant, c'est comme on a la Lucari, on pourrait avoir la Kentari. Alors, effectivement, on verra bien ça. J'en profite du coup pour souhaiter la bienvenue à Clementers qui vient de nous rejoindre. Donc, bienvenue. Donc, ouais, globalement, ce qu'on a actuellement, donc je sais pas si t'as d'autres leaks pour le moment qui ne sont pas liés à l'event 2018 ou si on bascule déjà sur l'extension. Non, il n'y a pas grand-chose. J'ai déjà cité ça dans un post, le fait qu'il y a la possibilité de changer les modes d'un item, de transformer un item en matériaux. Rien de nouveau. Il n'y a pas beaucoup de posts. Hein. Comme c'est très filtré,
c'est souvent toutes les deux semaines qu'on a un truc. Bon, c'est déjà ça, je me plains pas. Ouais, oui, en effet, Callaghan, ça pourrait être en lien avec la colonie. C'est... ouais. Justement, moi, un lien avec la colonie, une Clukari, donc qui resterait Kentari, ou alors quelque chose complètement autre. On verra. Là, justement, on peut supposer qu'il y a une réputation qui va arriver, mais on n'a aucune preuve derrière pour dire ce sera ça ou ce sera ça, quoi. On ne peut que... Ouais, à mon avis, on... Comme j'ai dit, spéculer, parce qu'on n'a littéralement aucune info. Et du ouais. coup... on va basculer sur un autre sujet donc qui sera vraiment notre dernier sujet et pas les moindres qui sera l'extension de l'été 2018. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on a très peu d'infos dessus sauf qu'on a rien à la fin donc du trailer de la saison 14. Donc, qui a également été dévoilé pour la première fois à la STLV, en version VO, hein, la version française ne l'a pas. Donc si vous n'avez pas encore vu la version VO, je vous encourage à aller la voir pour les images, parce que moi je ne les ai pas sur le... je les ai pas actuellement dans mon logiciel de stream, donc je ne peux pas vous les passer. Où on voit arriver une flotte du Quadrant Gamma. Ça ouvre beaucoup de portes. Oui, en effet, c'est très très vague et ça a rendu tout le monde fou. Enfin, sur Reddit, il y a des gens qui devenaient dingues, qui disaient « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je pense que c'était le but, hein. C'était tout bêtement de garder l'attention, comme tu l'avais souligné, garder l'attention des joueurs pour qu'ils suivent les patchs, les infos au compte-gouttes. Mais c'est très intéressant. Bon, ce qui est clair, c'est que ça a un lien avec le Dominion. On voit clairement toute une flotte de vaisseaux débarquer du Vortex. Et on a cette petite phrase, Victory is like, qui a tout de suite fait penser au Jem'Hadar. Je pense que t'as clairement un lien avec tout ça. Mais maintenant, la grande question, cette flotte en paix, en guerre, et ça change tout. Moi, je pense en paix. En guerre, qu'est-ce que je raconte en guerre. On est dans Star Trek Online. En guerre, je pense que... ouais. On pourrait imaginer qu'il fasse durer les Tsenketi jusque-là pour X raison et que le Dominion vienne en renfort. Et à ce moment-là, ça. Parce que l'avantage de ce scénario-là, c'est que ça provoque l'ouverture complète du Quadrant Gamma, un peu à l'image qu'on a eu avec le Delta, dans le sens où il y aura une partie qui sera favorable à nous, une partie qui sera évidemment contre, et on ne peut pas modifier, voilà. Donc avec cette notion un peu de conflit interne, etc., qui ouvrirait ça. Et en plus, s'il vient en paix, ça rouvre un très, 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 très vieux débat. Et là, je pense que vous commencez tous à comprendre de quoi je veux parler. Il s'agit tout simplement de la faction Dominio Cardassienne. Eh bien, moi, justement, je pense au contraire. Je pense plutôt qu'ils viennent en guerre, tout bêtement. Parce que, justement, pour aider les Tsenketi. Voilà, dans tous les fichiers audio qui avaient été liqués par encore une fois le Reddit Leaks4STO, tu as énormément de mentions au Tsenketi et au Dominion en même temps, et aussi d'un ennemi à côté, les Urk. Alors ceux qui ont pas lu mon poste, ils vont se dire, mais qui c'est ceux-là? C'est des vieux ennemis qui sont allés envahir Kronos. Et justement, moi je pense que ça va être un gros bordel de guerre où on va avoir droit aux Urk, aux Dominion et aux Tsenketi en même temps. Et que justement, quitte à avoir une faction Dominion Cardassienne, ce serait plutôt une faction libérée du Dominion, qui serait à côté, si on partait de Jem'Hadar, qui se serait libérée du Ketra Sellwhite, si je me souviens bien, qui sont une sorte de drogue pour eux, qui les contrôle, tout ça, tout ça. Exactement. Donc voilà. Donc, je pense plutôt que ça vient en guerre, après on est dans Star Trek Online, donc... Tout est possible. Donc voilà, la vidéo qu'ils ont mis, c'était juste la cutscene d'un épisode des 2800. Je pense pas que c'était. C'était celle de 2800. Je pense que c'est. S'ils nous annoncent un an à l'avant une refonte de l'arc des 2800, je râle. Hein. Les Urks ne sont pas les ennemis de l'arc Klingon. Il me semble que c'est les Fekiri, c'est pas la même chose. Effectivement, les Klingons qu'on affronte, qui essaient d'envahir Kronos. C'est effectivement les Fekiris. Non, les Urks, en fait, c'est un très vieil ennemi qui date du 14. Mais... Oups, désolé. Donc,
Ouais, non, donc les ours pendant dans le jeu, on les a pas vus. Mais du coup, bah, on y verra peut-être. Ah, mais bon, bah, ça de nouveau, c'est des leaks. La seule chose dont on est certain, c'est qu'il y aura du manard quelque part. Mais on ne sait pas si c'est une simple refonte de l'acte 1800, mais ce qui me paraît très improbable, du fait que généralement les refontes, ils les annoncent au moment de les faire ou juste avant. Si c'est, on va dire, une grosse refonte. Là, l'arc de 1800, c'est une petite refonte, c'est déjà, on va dire, un arc qui est déjà relativement moderne, dans le sens où tu peux pas, t'as pas 36 000 missions à simplifier, quoi. Contrairement, par exemple, à l'arc Klingon, à l'arc ou à l'arc Cardassien, qui est juste avant le 1800, où là, t'avais beaucoup de missions qui étaient plus ou moins inutiles, etc. Mais voilà. Donc, 2800, s'il faut une refonte, c'est une simple refonte graphique, et à mon avis, il l'annoncerait pas. Il l'annoncerait, ah, et tiens, on a fait une refonte graphique, plus ou moins comme ils l'ont fait pour le Constitution, pour le Miranda, etc. En gros, ils ont annoncé juste avant, dans le prochain patch, il y a ça qui serait développé, quoi. Mais pas un an à l'avance, quoi, ça vaut pas la peine. Par contre, effectivement, en paix, en guerre, les Urks, on a. Là, on a beaucoup de choses qui permettent de jouer. Personnellement, moi, je crois pas en la faction jouable Dominio Cardassienne. Par contre, la faction, on va dire, libérée, pourquoi pas de nouveau faire une demi-faction? À l'image des. Un peu à l'image des Romuliens, en fait. Les Romuliens qu'on joue, ben, c'est des Romuliens qui se sont libérés de l'Empire de Sela. Ils ont uniquement la légitimité que la Fédération, l'Empire Klingon, etc. leur donne. Mais ils n'ont pas de légitimité complète, ils sont pas reconnus par leur propre peuple autre que chez eux. D'ailleurs, bon, si on va, on voit très bien que Sela traite en permanence la République Romulienne de terroriste. Pour signifier qu'ils ne les reconnaissent pas. Donc, du coup, effectivement, pourquoi pas? Clairement, pourrait très bien. Ce serait envisageable une demi-faction, voire, on va dire, inévitable. En tout cas, on aura un event, soit genre TOS demi-faction, soit. Puis si c'est le cas d'une faction, j'espère que cette fois-ci ce sera évidemment faction wide dans le sens où on pourra rejoindre n'importe qui. Soit Delta, dans le genre où t'as pas de nouvelle faction, mais pendant la période de l'event, tous les nouveaux persos créés, quelle que soit leur faction de base, soient spéciales, un peu l'image Delta qu'on a eu lors de l'ouverture du cadran Delta il y a 2 ans, si je me trompe pas. Il me semble que c'était du coup ouais, 2015. Donc voilà quoi, c'est quelque chose qui à voir. C'est encore trop loin pour qu'on puisse vraiment entrer dans les détails à fond, en mode ce sera ça parce que et patati et patata. Mais on a suffisamment de détails déjà pour pouvoir bah, commencer à en parler, pour pouvoir commencer à réfléchir, à dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a surtout un truc qu'on sait, quasi certainement, il y aura du The Manor. La question c'est du comment, du pourquoi, etc. Mais le leak est à mon. Enfin, le. On va dire, c'est pas un leak du fait que c'est officiel. La communication, le tease, ah, ouais, le terme de teasing, je pense le plus exact, le teasing. Fait par Cryptic pour le coup est très profitable. Et effectivement, ben, comme Trezebo vient de le dire, le refus de la station DS9, du moment qu'on travaille avec le Cran Gamma, le DS9 est la passerelle on guillemets, vers qui garde le trou de ver. Donc effectivement, elle commence à être graphiquement vieille, donc une refonte est très très probable. Donc, effectivement, on risque d'avoir DS9 qui sera refaite, et j'ai envie de dire, ce sera pas trop tôt.
puisqu'on commence. On a un Space Dog qui était refait, qui est magnifique, etc. Une DS9 qui commence à être graphiquement, je vais pas dire moche parce que c'est pas le bon terme, mais terne à côté des nouvelles maps. Donc du moment qu'on commencera à utiliser beaucoup de DS9 avec ça, mais effectivement, voilà, c'est avec un bar de quark situé sur la même map ou pas. Mais c'est vrai que ça pourrait être très sympa d'avoir plus qu'une map qui a tout le toute la l'anneau en fait. Donc voilà en tout cas pour ce qu'on peut plus ou moins dire de cette extension. Donc je sais pas si Kronos a quelque chose à rajouter ou pas. Non, on a tout dit. Du coup, ben, comme pour la dernière fois, on va faire un petit moment de questions-réponses. Donc, ça sur ce qu'on a dit cette fois. Donc, dans cette édition, que ce soit sur le concept même. Pareil, j'en profite pour rappeler que si vous avez tout à coup envie de dire « Ah, mais tiens, j'aimerais bien faire une rubrique sur, je sais pas, un épisode de TOS dans le prochain, genre interstellaire ou autre. » On est ouvert à toute proposition. Vous intégrer très volontiers aussi dans le projet si vous avez envie d'y participer, etc. On est vraiment ouvert à tout. L'idée c'est vraiment d'avoir un truc interactif, hein. Comme vous voyez, on a le chat, on regarde avec le chat aussi, et du coup voilà. Donc du coup ouais, je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Si vous en avez pas, on arrêtera simplement le live ici. Une rubrique sur Spot le chat. Alors, je vote pour. Pourquoi pas ? Y'a pas feu chat. Attends. Donc Silphéo, ce que tu peux faire, c'est voir un peu ce qu'on pourrait faire sur Spot, nous le proposer, puis si on commence carrément venir en vocal avec nous durant le JI pour en parler. C'est vrai qu'en fait, Spot le chat, Archer avait aussi un chien. Ouais, je crois qu'il y avait que les deux qui avaient des animaux de compagnie. Oui. Ah, ça fait pas assez pour en faire. Pourquoi pas en fait une petite émission. Genre, ouais, pourquoi pas. Il y avait des animaux. Tiens, on va le noter ça. Ça peut être intéressant. Les enfants Borg de Seven, ça compte comme des animaux. Là, on va entrer dans un débat que je ne veux pas avoir durant cet élément-là, donc on va arrêter. Ah oui, les tribus de Kirk, on les avait oubliés. Alors, tribus de Kirk, Picard, il semblerait qu'il y ait eu des poissons à un moment. Ah bah oui, le poisson dans sa... Oui. Il a un poisson dans sa ready room. Ouais. Ouh, les sauvages qui apparaissent. Bienvenue. Bah si ça tombe, il est là depuis le début, mais il ne s'est pas manifesté. Alors possible aussi. Ah, il pourrait y avoir quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui serait potentiellement faisable là. Ouais. Bon, on verra ça. On verra ça peut-être pour la prochaine fois, peut-être la surprochaine, histoire qu'on ait bien le temps de préparer, de voir ce qu'on peut faire, de comment on le fait, enfin voilà. Donc du coup, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Puis bon, évidemment, on vous prépare. Avec Kronos, on a un peu marre de vous mettre un écran pause à la pause, donc on est en train de vous préparer des petits trucs à la place. Du coup, ça, vous verrez la prochaine fois. Alors, un petit topic sur les familiers, ça peut être sympa. Effectivement, pourquoi pas. Pareil, on va le noter. C'est vrai que lorsque j'ai fait un petit tour à l'échange, voir les familiers qu'il y avait, il y en a pas mal. Et il y en a certains qui sont très similaires, mais dont leur comportement change. Et ça peut être très intéressant de les étudier. Donc, effectivement, pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite, en fait, j'avais remarqué qu'il y a un truc que j'ai complètement oublié de parler au niveau des spéculations.
dont d'ailleurs Hattie avait parlé, sauf erreur, tout au début, c'est que les scientifiques ont le déflecteur secondaire, les tactiques ont l'arme lourde, les ingénieurs n'ont rien. Ouais. Et du coup, le 25 septembre, le début de Discovery. Du coup, il est quasi certain qu'ils vont obtenir quelque chose. Par contre, la question, ce sera quoi ? Vont-ils obtenir quelque chose qui change, enfin qui profite radicalement au gameplay, comme le bouclier le déflecteur secondaire, qui permet vraiment d'augmenter la puissance du vaisseau, au sens il modifie la config même, ou un truc plus ou moins pareil inutile comme les armes lourdes, qui sont, on va dire, sur une petite config va faire son boulot, mais sur une config qui commence à atteindre des bons scores avec une bonne cohérence, etc., sont plus ou moins inutiles. Donc, j'espère que ce sera plus à la Sciento avec un truc intelligent qui profite au gameplay. Mais ça, je ne peux malheureusement pas l'affirmer. Évidemment, vu que là on a, c'est même pas un leak, c'est rien, c'est juste, là c'est pur spéculatif sur ce qu'ils peuvent rajouter, parce qu'ils l'ont fait sur le reste. Et effectivement, donc dans le chat, on propose un bouclier secondaire. Les ingés sont pas très boucliers, donc ce serait étonnant. Donc Claudius, les ingés sont les meilleurs, on a besoin de compenser. Pareil, on va entrer dans les débats, j'ai pas envie de débattre ce genre durant le GI. Mais voilà. Par contre, effectivement, il y a le coq qui sort, t'as le moteur. Effectivement, c'est deux. Moi, je pense beaucoup en fait à un système coq. En fait, moi, comme si vous vous souvenez, Hattie avait mis dans son poste du 1er avril une coq supérieure, blabla. C'est quelque chose qui, pour moi, est pas forcément tiré par les cheveux. Étant donné que l'ingé, on joue beaucoup, alors soit sur du. On va dire, soit plus sur un médecin, soit sur un tank, d'un point de vue. On va dire, idéologie derrière. Après, évidemment, on peut jouer DPS sur un ingé, un croiseur, l'arbiteur qui est un des meilleurs vaisseaux DPS, c'est un croiseur, donc ça met sur un ingé. Mais. Voilà. Tu réfléchis à un ingé, tu réfléchis tank, tu réfléchis. Enfin, voilà. Donc, une coque irait parfaitement dans ce système-là. Tandis qu'une arme secondaire, par exemple, irait pas du tout dans ce cadre-là. Donc, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de voir ce qu'ils vont nous faire là. S'ils nous font quelque chose, mais là, de nouveau, je suis quasi certain à 99% qu'ils nous feront quelque chose. Pas forcément dans la saison 14, mais peut-être dans la 15 ou la 16. On avait attendu un bout de temps, en fait, entre le déflecteur secondaire et l'arme lourde. Donc c'est pas impossible qu'on ait la même écart de temps entre ce que les ingénieurs et quelque chose. Mais à mon avis, ils finiront par avoir quelque chose, parce que, bon, voilà. De nouveau, coque photonique. Je doute, parce que nous, les technologies photoniques sont plus scientifiques qu'ingénierie, mais... Voilà, à voir. Donc sur ce, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Kronos, ou pas. Ouais, non, rien du tout. Donc, sur ce, vous vous souvenez, donc, voilà. Au début, Kronos vous avait dit que vous deviez déterminer quel chat appartenait à qui. Eh ben, je pense que c'est assez facilement devinable. Donc voilà. Ah. Attention. Puis vous pourrez tout de suite vérifier si vous avez fait le bon choix. Voilà. Le chat de Kronos vient de se déplacer. Donc, vous voyez tout de suite si vous avez juste ou pas. Puis voilà. Ah, ces petits chats. Il n'y a pas à dire qu'ils sont quand même mignons. Bon. Juste ici qui propose un menu de réparation pour l'item ingé. C'est vrai que pourquoi pas. Par contre, les deux sont exactement les mêmes chats.
Donc voilà, mais du coup, bon, si vous avez des questions, je vous laisse les poser. Et si on a. Et autrement, bon, on va gentiment clôturer là. Pour cette édition. Et on vous donnera rendez-vous dans approximativement un mois. Ce qui sera plus ou moins, si je me trompe pas, genre le 24 septembre ou Oui, le dans 24, le dans ces 24. eaux-là. Soit exactement un jour avant Discovery. Autrement dit, on aura toutes les fuites finales à parler. Et vous aurez un mois pour regarder les épisodes avant d'avoir notre avis dans les. Donc du coup, qui sera dans l'épisode 4. Sur Discovery, un mois pour regarder, selon moi, c'est correct. Donc c'est pour ça qu'on se permettra d'en parler dans l'épisode 4. Avec évidemment un avertissement spoil avant d'en parler. Pour que si par hasard vous ne l'aviez quand même pas vu, enfin, pas qu'on vous spoil quand même, ce serait. Si on peut éviter, nous, on veut pas vous spoil, on n'aime pas être spoil nous-mêmes. Donc voilà, par principe, il y aura l'avertissement. Et effectivement, on parlera des nouveaux Klingons, on parlera des vaisseaux, on parlera de tout ça, on aura vraiment. À mon avis, ça risque d'être un épisode plus ou moins 100% Discovery. Et voilà. Pas de nouveau film prévu, pas à ma connaissance. Malheureusement, non. Le 3 n'a pas assez marché, donc c'est pas sûr. Mais après, faudra voir. Ça va. Je pense que le film dépendra aussi du succès de Discovery. Mais vous allez avoir le temps de changer la litière. Ouais, pas du tout, les litières laser maintenant. Parce que les chafons, ça met pas le temps d'arriver au fond. C'est au nom de 2411 quand même, 410, on sait pas vraiment. Faut pas rêver non plus. Changer les litières, c'est pas quelque chose qu'on fait à cette époque. Donc du coup, donc vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir un chat-borg. Alors, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Mais ça ne tient pas qu'à moi. Il n'y a pas de chat-borg, malheureusement. Du moins ma connaissance. Mais autrement, oui, évidemment que ce perso aurait un chat-borg. Mais bon. Donc, du coup, il est venu. Le moment de clôturer donc ce journal. Donc du coup bon déjà on vous remercie évidemment d'avoir d'avoir regardé ce stream. On espère vous revoir la prochaine fois évidemment. N'hésitez pas à suivre du coup sur le forum, c'est là où on fait les annonces. Des prochains lives. On a aussi maintenant dans les flottes, on crée les events de flotte. Enfin voilà, donc en théorie, vous devriez pas la rater. Et dans le pire des cas, on a toujours la rediffusion donc, qui est disponible sur la chaîne YouTube du CDF. Donc, typiquement, dans quelques minutes, cet épisode sera disponible sur la chaîne YouTube du CDF. Où vous pourrez le revoir autant de fois que vous le voulez. Puis voilà. Donc je vais encore essayer d'augmenter la puissance de mon micro, puis de réduire les bruits d'arrière-plan pour la prochaine fois. Au bout d'un moment, je finirai par avoir un son correct. Mais ça peut prendre du temps. Mais voilà. Donc, sur ce. C'était Orion et Chronos pour le journal interstellaire. On vous donne rendez-vous dans un mois pour donc
je pense, le 24 septembre. C'est pas impossible qu'on fasse une semaine avant ou autre, en fonction de nos disponibilités, évidemment, on verra ça. De toute façon, il vous sera annoncé, dès qu'on a la date fixe, on vous l'annoncera. Et sur ce, Claudius, je prends contact dès la fin de ce stream pour te donner ta clé. Et aux autres, je vous dis à dans un mois. Bye!